Salut les amis, alors une vidéo pour vous parler du nouveau joueur Yacine à l'Olympique de Marseille, Vitória, le Portugais de 22 ans, a signé un contrat de 5 ans de 32 millions d'euros. 32 millions d'euros. C'est le transfert le plus cher du club, où ça y a jamais. Bon, voilà, c'est le plus gros transfert du club. 32 millions d'euros, Marseille a jamais dépensé autant d'argent pour un joueur. Je suis vraiment fier de ce plus de dépenser beaucoup d'argent. C'est un très jeune joueur, il signe un grand contrat de 5 ans. Et en plus, il y a 22 ans, 32 millions d'euros, Vitória, le Portugais. C'est un joueur espoir de l'équipe international portugais, de l'équipe portugais espoir, je veux dire, il n'est pas international, d'accord, il est espoir, excusez-moi, mais je pense il pourra dans un an devenir un joueur international. Pourquoi aussi je suis super content? Parce que c'est un joueur, dans 3 ans, quand il part de Marseille, il pourra nous amener 2, 3, 4 fois plus d'argent. Faut déjà penser à ça. Mais avant ça, faut voir quoi il va faire à Marseille, quand il va arriver dans le jeu de Marseille, quand il va arriver faire le 3-5-3 de Tudor tu fais, et savoir qu'il est capable voilà, à planter, à mettre des buts. Il a 22 ans, normalement il court super vite. Après, j'ai vu des vidéos, plein de vidéos, toute la journée, j'ai vu des vidéos, les buts il met, mais c'est incroyable, les buts il met. Le mec, il est tout jeune, il te met des buts, mais comme un mec de 25 ans. Ah, il vient de Perfica, d'un club, un grand club formateur portugais. Moi, j'ai rien à dire, c'est le joueur le plus cher, mais peut-être aussi le meilleur buteur Marseille a jamais connu. Peut-être même meilleur qu'en Gronba. Meilleur qu'en Cissé. Meilleur qu'en Momodou Yone. Meilleur qu'en Milik. Non, je pense que ça va être un super joueur. Je suis sûr à 100%. On va reparler de ça plus tard. Ça va être le joueur, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille de tous les temps. Moi, je suis sûr, ce mec-là, il va nous faire rêver. C'est un homme, c'est un footballeur, c'est un portugais, c'est peut-être un futur Ronaldo. Oh, t'es, faut pas, je m'enflamme. On verra bien, on verra bien. Le seul truc où ça, je peux vraiment vous dire, et là, c'est sûr à 100%, il a passé sa visite médicale, halté. 32 millions d'euros, un contrat de 5 ans. Le prochain match, je crois c'est dans 15 jours pour lui. Parce que demain, non, demain il pourra pas jouer. Mais peut-être il va être dans la tribune. Ah, c'est à Nantes le match. Bon, ça pas dommage. Trois super recrues. Trois super recrues. Ah, il nous manque un défenseur droit. Peut-être, bon, j'y crois pas trop, mais peut-être ce soir. Peut-être un défenseur droit, même quand j'y crois pas trop. À 23h59, défenseur droit, pourquoi pas? Bah, dites-moi, quand vous y pensez, le mercato de l'OM est terminé. Bah, j'ai bien envie de dire oui, mais je sais pas pourquoi. Bah, il peut nous sortir encore un. Qu'il est. Ok. On pensait, ah, il va venir. Oh non, 30 millions d'euros, c'est trop cher. Non, non, il va pas venir, 30 millions. L'OM a pas l'argent. Et il est là! Et il est là! Marseille a pas d'argent, oui. Marseille a craché 32 millions d'euros. Ah, ne me disait pas, les amis. Marseille a pas d'argent. On ne sait pas, on ne connaît pas les comptes de Marc Kuhn. Je l'avais déjà dit, on ne connaît pas les comptes de Marc Kuhn. On ne sait pas combien Marc Kuhn, il peut mettre de l'argent. Il y a qu'être plein, plein, plein d'argent encore. Merci.
Paulo Longoria. Merci, 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 merci. C'est grâce à quoi? Grâce à notre président de l'Olympique de Marseille, on a recruté peut-être le meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Je suis super heureux. Je suis, comment vous dire? Je suis surpris de le voir arriver. Parce que quand j'ai vu 30 millions d'euros, je vous dis la vérité, 30 millions d'euros, je le voyais pas à Marseille. Trop cher. Marseille, nous, c'est déjà à 10 millions, des buteurs à 10 millions d'euros. 116, 10 millions d'euros. Harit, 5 millions d'euros. Milik, je sais plus, Milik, 18 millions. On dépasse pas 20 millions. On dépasse pas 20 millions. Il a 32 millions d'euros. C'est magique que se passe à Marseille. Mais j'y crois encore, j'y crois encore. J'y crois encore. J'y crois encore d'un buteur. D'un buteur. D'un défenseur central. Sérieusement, je crois qu'il pourra avoir un défenseur central. On verra. Je vous laisse. Normalement, quand je fais une vidéo, là, dans les heures, ils vont venir. C'est pour vous annoncer un joueur. Quand je fais pas une vidéo avant minuit ce soir, ça veut dire stop, le mercato est complètement fini. Deux buteurs au milieu de terrain. Paulo Longoria, merci. À 100%. Il nous reste 3 heures. Même pas 2 heures et demie, 3 heures, il nous reste. Pourquoi pas rêver encore, rêver d'un défenseur droit, une doublure, pourquoi pas. Abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces, je suis l'homme le plus heureux, je suis le supporter le plus heureux de Marseille. Il y a beaucoup de supporters, ils sont heureux, mais moi je suis super heureux. Allez, je vais regarder la suite du mercato là. Les gagnées heures, c'est les heures les pires, les heures les plus chaudes. Et je crois au défenseur droit. Je sais pas. Peut-être on peut avoir, je sais pas. Comme ça, un homme, on l'imaginait même pas. On peut imaginer. Moi, j'y crois. Je crois à Paulo Longoria et le mec là, il nous fait des miracles. Mais aussi, attention, on peut aussi avoir un départ. On peut aussi avoir un départ d'un grand joueur. On verra. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas de départ. Je souhaite seulement des arrivées. Mais pour avoir des arrivées, il faut des départs. Bon, on verra les amis. Quand je vous fais une vidéo, c'est pour vous dire une bonne ou une mauvaise nouvelle. Sinon, ça veut dire le mercato est terminé. Demain, je pense que je vais faire une vidéo pour parler des trois buteurs, des trois joueurs qui sont arrivés pour le mercato d'hiver de 2023. Et puis, les tarifs des trois joueurs, puis vous donner le total. Ça peut être aussi le mercato le plus cher Marseille a jamais fait pour qu'on l'hiver. En général, à l'hiver, on dépense pas beaucoup d'argent. On dépense plus pour le mercato d'été. Ça veut dire déjà quand on fait un putain de mercato d'hiver. Ah, imaginez-vous le mercato d'été 2023. Ça veut dire qu'il va être 4 fois plus. 4 fois plus beau. 4 fois plus magnifique. Peut-être on va dépenser maintenant des 40 millions d'euros sur un joueur. Oh là là. Mais ça veut dire Marseille, ça y est, on est la deuxième meilleure équipe de France. Je vous dis à demain. Sauf surprise, dernière minute, mais sinon je vous dis à demain. N'oubliez pas de partager, 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 abonner, abonner, abonner. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi des pouces, les amis. Salut!